5. La petite histoire un peu sur cette bière, apparemment ils ont choisi la Lugarn parce qu'elle a été brassée par cette sœur, enfin la sœur qui est symbolisée sur l'image là, au 12e siècle je crois, quelque chose comme ça, qui était la sainte patronne de la Flandre et qui a dédié sa vie au Christ. Et donc elle a fait vœu de silence. Et pour ça, elle est partie vivre dans une abbaye en Wallonie. Donc ouais, c'était plus facile pour elle de pas parler, vu qu'elle comprenait pas la langue. Donc voilà un peu pour la petite histoire. On passe tout de suite à la dégustation. Alors, un beau col de mousse. On va la sentir. Très parfumé. Assez agréable. On a des petites odeurs de céréales comme ça, de froment. Mais aussi des fruits un peu plus exotiques. Sympa au nez. La mousse, bah, on a une mousse qui est bien épaisse, qui tient bien, style cappuccino. Ça aussi très agréable. Limpidité, ben, elle est quand même trouble, donc, caractéristique de la blanche. Je ne sais pas si on voit vraiment bien. Alors, je la dirais, on dirait qu'elle est un peu salée acide, comme ça pour les saveurs. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc ouais, on a bien une blanche bien rafraîchissante en bouche. On a cette acidité et ouais, ce salé sucré. En fait, on a le salé en bouche, mais le sucré au nez. La chaleur alcoolique, non. Non, je trouve pas vraiment qu'on la ressent. En fait, on a un petit pic au début, puis ça s'estompe assez vite. On n'a pas vraiment de faux goût. En rétro-olfactif, et ce qui nous reste en bouche, c'est assez agréable. Donc plutôt pas mal. Après, pour ce qui est de l'odeur qui reste, elle change un petit peu. Mais je ne suis pas totalement fan de l'odeur qu'elle prend à la longue. C'était sympa au début, mais l'odeur de cœur... Et un peu déplaisante. Mais bon, sinon, pour le côté désaltérant et le goût en bouche, je lui mets un bon 8,5. Après, pour l'odeur, je suis un peu déçu, donc je lui mettrai un 7. Je lui mettrai un 7. Mais bon, voilà, c'est globalement, allez, un petit 7,5 pour cette bière-ci. N'hésitez pas à liker, à partager, dites-moi ce que vous en pensez et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, à plus!